Je dois prévenir ses potes, en espérant qu'il soit pas trop tard. Tu sais ce qu'on dit, hein? Quand tu regardes l'abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Personne dit ça. Il pourrait passer de l'autre côté. Surtout avec toutes les merdes qui lui sont tombées dessus. Bon, bah on va y aller, hein. On va aller le sauver. Est-ce qu'on prendrait pas une petite bagnole de flic, en vrai? En vrai, est-ce qu'on prendrait pas une petite bagnole de police? Non. C'est pas vrai. Ok, je recule. Qu'est-ce que tu fous encore là? Ok. Je recule. Oh! Une petite typose. Ah non. Il faut avoir des compétences techniques. Il faut des compétences techniques, les gars. Oh, je vais prendre la poubelle. Viens là. Vas-y, viens. Tu t'arrêtes? Merci. Oh, je suis désolé, t'as l'air charmante. Mais tu vas juste apprendre à voler, en fait. Une petite Thornton. On est parti? Eh, mais elle envoie, hein. Elle est pas dégueu. Voilà, le rond-point, il a... Le rond-point, j'ai tout donné pour le rond-point, là. Ouais, vous savez quoi? On va couper un peu. Oh, merde. On va pas couper du tout, en fait. On va juste pas couper du tout. Ah, mais on peut pas couper, en fait. Attends, est-ce qu'on peut faire ça? Wouah! Baby! Ça se passe bien! Voilà! Ça se passe archi bien! On est refait là! J'ai un petit doute là, mais. Ah! Je pensais qu'on allait pouvoir monter en l'air, mais non! Franchement, technique maîtrisée. Hein. C'était propre. C'était très très propre. 9 sur 10 ? Oh, vous êtes dur. Franchement, 10 sur 10. Bon. Qu'est-ce qu'on prend ? Oh putain, elle était pas mal. Non. Oui. Ça, c'est ma voiture, ça. Ça, c'est ma voiture. Bonjour. Allez, ta gueule. Hop. Au revoir. Oh, la petite Quadra ! Voilà, je l'explose bien là. Et on est parti. Bon, faut savoir, c'est par où. Ok, c'est par ici. Let's go. Allez, 1 km, on va essayer de faire ça rapidement. Wow. Ok. Ah, mais fallait sortir. Merde! Ok, on va refaire ça bien. J'ai raté. Ah ouais, j'ai raté le truc. Ok, on y retourne. Ça n'a pas tourné. J'ai voulu, mais ça n'a pas tourné. Voilà. Allez, là, on est bon. Let's go. Merci. Eh, Wallit ? Le Wallit était propre ? C'est ça qui compte. Eh ouais. Le Wallit était propre. Non, me fais pas des dingueries comme ça. Et là, on va tourner net. Ouais, ça passe. Tranquille. C'est géré. Ah, oh putain, j'arrive pas à tourner autant que je voudrais avec cette caisse. Ah ouais, d'accord. Elle tourne pas beaucoup celle-là. Hein. Je galère de ouf. L'autre tournait beaucoup plus. En fait, ça, t'as vraiment une conduite différente en fonction du véhicule que tu prends. Pour apprendre à conduire à chaque fois, c'est chaud. Ok, une fois que t'as compris. En vrai, elle a une conduite un peu plus logique. Faut juste prendre en main.
Allez, cassez-vous. On va aller parler aux flics. On va essayer de soigner notre pote Gary. Oh, mais la cam! Les gars, vous me voyez encore? Allô, la cam? Ah. J'ai ma cam qui est... RIP la cam. Attendez, je vais voir ce qui se passe. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je crois que c'est ma carte de la carte de capture de la caméra qui a un peu fait de la merde. Bon, c'est pas grave, ça remarche. C'est l'essentiel. On y va. Alors. D'accord. Ok, là. Entendu. C'est compris. Ah. C'est toi. Tu as parlé à Barry? Il a enfin décidé d'arrêter ses conneries. Nom de Dieu, Mendez. Bon. Pas grand chose. Il en parlait presque jamais. C'est bien d'avoir quelqu'un qui... Ok. Barry va pas bien. En fait, il va tellement mal qu'il préfère parler à une tortue qu'à vous deux. C'est censé être une blague. Au contraire. C'est vraiment triste. Barry a pas bien supporté sa vie de flic. Vous vous foutiez de sa gueule. Alors il a arrêté de se confier. Et tout ce qu'il avait à part vous... C'était... une tortue. Un souvenir de sa grand-mère. Jusqu'à ce qu'elle meure. Merde. J'en crois pas un mot. Tu racontes des conneries. Ouais, parce que j'ai que ça à foutre d'embrouiller les flics. Mais pourquoi il nous aurait menti? Il parlait de cette tortue comme si c'était un humain. Comment aurait réagi Mendez si Barry lui avait dit qu'il parlait à une bestiole? Merde, Barry! Je pensais qu'il faisait du cinoche et que ça allait passer. Faut que j'aille lui parler. Merci. Merci pour votre aide. Voici un petit dédommagement. Oh, 10 000 balles? Putain, elle me file 1000 balles. Je sais pas ce que vaut l'argent chez vous, mais apparemment, c'est intéressant. Il s'est suicidé. Trop tard. Je te l'ai déjà dit, sans mandat, tu rentreras pas chez moi. C'est bon. Merde, Paris. On peut discuter, non? Petrova m'a dit que sur ta dernière affaire, ça avait merdé. Capitaine, t'as dit de fermer ta gueule, c'est ça? C'est la même chose. Troquem. J'oublierai jamais. Le t-shirt de ce gamin. Vert, mec. Avec un petit chat jaune. J'ai eu chaud, hein. Entre. Oh, je suis le boss. Oh, je suis le boss. Allez. Je suis le boss, les gars. Bon, on s'en fait une petite dernière. Allez, on s'en fait une petite dernière. On va faire celle-ci. Hop.
Ah, raison. On va la lire quand même, la mission. Merde. Wesh. C'est quoi l'objectif? Elle donne-moi l'info. Attends. Ah bah d'accord. J'ai pas plus d'infos. Bon bah go hein. Go hein. Ah vous avez un bug audio les amis? Merde. T'es allé parler au mec qui t'a sauvé dans la caisse? Non, je lui ai pas encore parlé. J'ai fait 3 heures de quête annexe là. Je fais 3 heures de quête annexe. Ok, let's go. Alors. Oh, la poubelle, la caisse, laisse tomber. Elle est détruite, quoi. Allez, on y va. Allez, casse-toi! Mètres, ça va, c'est pas trop loin. Ah, ça glisse, hein. La quête de Delamaine est vraiment cool. Je verrai. Quand est-ce que tu iras voir les femmes de joie? Oh, c'est pas pour ça que je joue au jeu, donc je suis pas pressé, je t'avoue. Mais je finirai bien par y aller. T'inquiète pas. Oh là là, la glissade. La glissade, on aurait dit une vanne dans le récap. Incroyable. Ok, let's go. On est arrivé. Allez. C'est par où? C'est quoi le dollar là? Ah, c'est une boutique en fait. Qu'est-ce que tu vends? Oula, t'as mangé chaud apparemment. Je peux jeter un œil? Si vous n'achetez rien, non. Voilà, merci. Oh, un petit vinyle. Pas mal. C'est de la Camelot. En fait, je peux lui acheter pour le revendre, quoi. C'est que de la merde. D'accord. Bah, du coup, ça m'intéresse pas. Au revoir. Ah, par contre, je peux lui vendre ma Camelot. Ça, c'est pas mal. Attends. Je peux lui vendre mes armes. Je peux lui vendre mes armes nulles. Je classe par DPS. Ok, tout va bien. Je classe par DPS et on va jarter ça. Hop, on va jarter ça. On va jarter ça. On va jarter ça. On va jarter ça. Voilà. Tu peux de pognon, toujours ça de prix. Alors. Johnny, j'ai l'impression que ton super endroit est devenu un resto miteux. Encore une putain de victoire du consumérisme aveugle. Un point pour l'équipe adverse, hein? Salut. Ah, c'est pour ça qu'il faut pas ramener les guerriers morts au combat. Tôt ou tard, ils finissent toujours par se rendre compte qu'ils se sont battus pour rien. Un petit bug au niveau du... De l'effet numérique autour de lui. Je suis prête. Et toi? Salut. Le... Et allez, encore un. Pardon? Tous les jours, il y a des vieux en blouson de cuir qui se pointent pour demander où est passé leur club de has-been. Et moi, je leur répète comme un disque rayé que les corpons l'ont racheté il y a une vingtaine d'années. T'as pas l'air sur le coup de... Ok. Vous auriez pas entendu parler de bootleg de l'époque du Rainbow Cadenza? Samurai. Une tête rouge moisie, oh le bâtard.
bien un vieux qui porte leur t-shirt. Il vient ici de temps en temps pour parler. Vous sauriez pas où je pourrais. Cherchez-le dans les années 20, si vous voyez ce que je veux dire. Sinon... Au marché d'à côté, ok. Quoi? Non, c'est vous qui pouvez faire. Il vend des vieux enregistrements moisis de... Ah, pas mal. Nova. Ah bah, let's go. Ah ouais. Ah ouais, il est à fond. Ouais, qu'on peut trouver de la... Eh ben, ça dépend de ce que vous entendez par... Et du samouraï? Ah, mais c'est quoi cette question? Ok, le mec a tout. Silverhand était le seul vrai messie du rock. Je distribuerai leurs albums gratos. Je cherche du vrai collector. Bootleg de premier concert. Vous réalisez ce que vous demandez? Vous dites ça comme si... Comme si c'était rien. Je sais pas comment vous avez appris leur existence, mais laissez tomber. Ne donne pas n'importe quel pommard. Je sais ce qu'ils disent sur Johnny chez Arasaka. Je me souviens des concerts. Ok. La tronche de Corpo. C'est peut-être pas ouf de dire qu'on est Corpo du coup. C'est pas du baratin, je sais tout ce qu'il y a à savoir sur Silverhand. Allez-y, épatez-moi. Attends, on va voir s'il est chaud. C'est ce qu'il a dit à Kerry la dernière fois qu'ils se sont vus. Putain de mauviette. Et trouve-toi des couilles. Mais bien sûr, moi aussi je peux... J'avoue. Je suis souvent venu ici du temps du Rainbow Cadenza. Un bootleg, ça ferait vraiment un super souvenir du bon vieux temps. C'est ça. Vous êtes bien trop jeune pour avoir vu ça. Eh, faut pas se fier aux apparences. D'accord. Prouvez-le. Comment a fini le troisième concert de Samouraï? Hey Johnny, amène ton cul numérique par ici et souffle-moi les réponses. Tiens, en voilà une de réponse. Va te faire foutre, mais je suis pas ta secrétaire. Ah le bâtard. Alors, j'ai pas toute la journée. Putain Johnny, pourquoi tu me coules maintenant? Alors, réponse. C'est marrant, je m'emmerde, et j'aime pas ton putain de conformisme. Eh, hey, vous buguez souvent comme ça, là? Notre troisième concert, c'était au Cadenza. Il y a eu un pommard bourré, ont voulu l'éteindre avec de la binouze. La coupe afro de Denis a cramé. Elle a porté une perruque pendant des semaines, parce qu'elle a jamais voulu de cybercheveux. Attends. Que je réfléchisse. Il y a eu un incendie et des pommards ont essayé de l'éteindre avec de la bière. J'avais presque oublié. Paraît que c'est Johnny qui l'avait allumé en jetant une clope pas éteinte. Connerie. C'était la clope de Kerry. Mais dès qu'il y a une couille, c'est la faute à Johnny. Je peux toujours pas croire que vous y étiez. Mais on s'en fout. Faut être un vrai fan pour savoir ça. Et puis bon, faut éduquer la jeunesse. Vous trouverez peut-être un petit quelque chose là-dessous. Allez-y, faites-vous plaisir. Ok, bon. Paf. Ça vaut une petite fortune, il me le donne gratos. Allez, je prends. Je prends, mec. Je prends complètement. Voilà. Allez, au revoir. Tout ça ne m'intéresse pas. Ah, je peux acheter des fringues. Ah ouais, elle coûte trop cher. T-shirt de la tournée 2020 de Samouraï. C'est de l'armure de merde. Aïe, aïe, aïe. T-shirt vintage. Col roulé.
Blouson d'aviateur second conflit, très bien. Lunettes aviateur polarisé chic, donc c'est en gros les lunettes de Johnny Silverhand, quoi. Ok, on peut rigoler. Et le petit, évidemment, le petit pantalon samouraï qui va bien. Écoute, on va rien acheter Merci, tout ça, mais sympa. Il m'a régalé. Prêchez la bonne parole de Silverhand. Tu sais, on dit que le temps est le meilleur des profs. Je l'ai cru pendant longtemps. Mais regarde ce type, il a au moins 60 balais et il vit toujours en 2020. C'est ton plus grand fan. Ça te fait pas plaisir de le rencontrer? J'ai réduit la tour à Arasaka en cendres. Mais elle est toujours là, comme si j'avais rien fait. Je veux pas que les gens s'encroutent, s'enlisent dans le passé. Je veux qu'ils changent, et qu'ils changent le monde. Tu peux pas changer les gens en les faisant exploser. C'est bien amené, mais... Ça fait 60 ans. Il y a forcément eu du changement. Ouais, au niveau des apparences. De nouvelles interfaces, de nouveaux siroscopes avec des goûts fruités. Un nouveau visage pour Arasaka. On le voit peut-être pas, mais... Ah, c'est vrai. Personne se souvient qu'à une époque, une personne n'était pas qu'un morceau de bidoche criblé d'un plan d'occasion. Allez hop, la répute qui monte, ça fait plaisir. C'est parfait, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut se faire d'autre ? Journal. Ah, on a fait toutes les quêtes, on va dire, basiques. On a un nouveau contrat. On a un petit boulot pour le NCPD. Après, on aura tout fait. En vrai, on va essayer de les faire. Hein. Paranoïa. Allons-y. 1,2 km. Oh, putain. Il n'y a pas une meilleure caisse dans le coin. Genre toi, merci, bonjour, au revoir. Allez, dégage. Non, je te déteste juste. Allez, go. J'ai pas le temps. Voilà, c'est un peu plus lourd déjà comme véhicule. Ouais, faut le dire vite, faut le dire très très vite. Sinon, ça se voit pas vraiment. Faut le dire vraiment très vite. Écoute, mon ressenti sur le jeu, moi je kiffe, c'est beau, c'est immersif, c'est bien écrit. J'ai pas de soucis particuliers avec les véhicules. J'ai pas de soucis avec les armes, Non, pour moi tout va bien. Je sais pas, je crois que les gens en attendaient trop. Moi, ils correspondent parfaitement à mes attentes. Tout va bien. Tu sais, si ça me saoulait, je me forcerai pas à jouer, hein. Je serais en mode, allez, au revoir, merci, salut, fin du live. Là, j'ai juste envie d'aller à la mission suivante, donc c'est bon, c'est parfait, quoi. Ah, va falloir prendre la prochaine sortie, je pense. Genre celle-ci. Oh, la caisse de devant. Elle est à moi. Enfin, je vous le dis, elle est à moi. Hein. Y a aucune vanne. Elle est complètement à moi, cette caisse. Bonjour, cette voiture est à moi. Partez ! Ouais, je m'en vais. C'est le programme. C'est exactement ce que j'ai prévu de faire, j'ai juste me casser en fait. Oh, elle est rouge en plus ! Ah, culé qui a abîmé ma caisse avec son putain de body award dégueulasse sans permis. Allez, dégage. Ok, c'est là. 175 mètres, c'est bon, on est arrivé. Allez. Faut monter. Comment je vais monter cette merde ? Est-ce que je peux monter là, peut-être ? Non, je peux pas monter. Il doit y avoir un moyen plus simple, hein, mais j'aime bien me compliquer la vie. Voilà, comme ça, par exemple. Vous êtes qui, vous, en fait ? Ils sont armés, je peux les buter ou pas ? Genre, par exemple... Si je fais ça... Efficace, hein. On est efficace ou on n'est pas efficace?
Slice, slice. Même la tête est partie. Parfait. Du beau boulot. C'était propre. Franchement, c'était très propre. Bah, je veux dire, si on aime les meurtres, quoi. Ah. Comment je vais monter là, bordel de merde. Je vais trouver, hein. Je trouve toujours. Rentrer là, peut-être. Non ? Rentrer là ? Ok. On va faire le tour. Montez là. Est-ce qu'on peut monter sur le câble ? Ok, ça passe. Ça, c'est fait. Ok. Mission accomplie. Paranoïa. On est bien ? Et du coup, on a obtenu un truc, là ? Une arme cool ? Attendez. Est-ce que ça peut remplacer le katana ? Ah non. C'est une matraque à une main dégueulasse. C'est un putain de tuyau. Vous êtes sérieux ? J'ai fait tout ça pour ça ? Un pistolet ? Qui fait zéro dégâts ? Ça me dégoûte. Ça dégoûte. Ah, le masque ? Le masque, peut-être ? Ah, des petites lunettes. Des petites lunettes ! Est-ce qu'on est bien avec ça ? Oh, on a l'air con. Allez, laisse-moi mon masque. Bon, bah, on est pas mal. Allez, next. Attendez, je vois quand même que... On peut se faire plaisir. On va se faire plaisir. Ok, lame. Qu'est-ce que je peux monter ? Je vais monter ça. On va monter ça, let's go. Voilà. Je vais être le professionnel de la lame, mon pote. Je découpe tout le monde. Tu nous diras après un mois de sortie du jeu ce que t'en penses. Ouais, ouais, bien sûr. De toute façon, j'en parle régulièrement, mais... Bah, mon avis est déjà quasiment fait, hein. Moi, je me régale. J'aimerais peut-être un poil plus d'optimisation, parce que j'ai quand même un PC extrêmement puissant. Je stream en dual PC, donc c'est quand même censé marcher parfaitement. Et malgré ça, je trouve que c'est pas encore parfait. Donc, il y a peut-être un peu de... J'ai rien fait. Je suis bloqué ? D'accord. Je me suis éclaté tout seul. Sans explication. Bon, bah, pourquoi pas. Mais ouais, non, moi, je me régale. Hein. Je me régale absolument, quoi. Ok, mission suivante. Est-ce qu'on a le temps d'en faire une ? Je regarde un peu. Ouais, j'ai encore un peu de temps. J'ai encore un peu de temps. Ah, j'ai le contrat à faire. Merde, je l'ai pas sélectionné, je suis vraiment la dernière des putes. Allez, faut que j'exfiltre le mec. Ok, let's go. Oh, je l'emmène dans une belle caisse en plus, franchement, je suis pas une chienne. Hein. Let's go. Allez, on va le chercher. Et c'est bien, il est pas loin en plus, franchement. Hop, 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 hop. On va aller aider les flics. Ouah, t'as fait le fou, toi. Wow, 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 wow. Ils font des dingueries, les mecs. Ils font des dingueries. Vous servez vraiment à rien, putain. Et tout? C'est réglé ou pas? Voilà. C'est bon, c'est réglé. Putain, mon katana est tellement fort, je one-shot tout le monde, c'est trop bien. Je suis beaucoup trop puissant, hein. Ah, ils ont buté les flics, par contre, je suis arrivé trop... Ok. Je suis arrivé trop tard, semble-t-il. Mais qu'est-ce que je prends comme dégâts nuls? Ah, les barbelés, putain, j'avais pas vu. Ah oui, logique. Ah, ils ont eu le temps de buter tous les flics, c'est terrible. Mais... Moi, j'ai quand même le loot. Au final... Je me mets bien ou pas? Je crois que je me mets bien. Ok, est-ce qu'on a tout ramassé? Merci. Merci. Hop. Hop. Merci. On a tout là ou pas?
On a fait le tour, hein. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Je ne sais pas. Peut-être un truc un peu caché. Est-ce qu'on peut voir ici? Non. Peut-être si tu passes en dessous, là, non. Non, il n'y a rien de fou. Non, ok. Là, il n'y a rien. Ah! Voilà! Quelques trucs, quand même. J'ai cru qu'on était venu pour rien. Un peu déçu. Bon, on est quand même un peu venu pour rien. Je vais pas vous mytho, c'est de la merde. C'est quand même bien de la merde, ce qu'on a eu, là. Au moins, on a clean un petit peu la zone. Le l'environnement est trop chose dans le personnage. Ouais, je suis assez d'accord. Grosse IA, les ennemis réagissent pas du tout. Non, c'est juste que je suis beaucoup trop rapide, en fait. Je suis beaucoup trop rapide, je suis le fast. En vrai, je sais pas trop pour l'IA. Faut voir les IA de fin de jeu, mais effectivement, c'est pas brillant, quoi. On n'est pas vraiment mis en danger, quoi. Bon. Oh bah attends, on va se garer propre. On va se garer propre. C'est-à-dire qu'on va se préparer à partir, en fait. Voilà. Bon, il est où, Wambo, là? Caméra de surveillance. Climatisation, piratage. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, conduite de gaz. Ok, il est là. J'arrive. C'est toi? Non, c'est pas toi. Salut, mec. Parlez-tu ma ménage, hein? Oh, calme-toi, calme-toi. Toi, Wangbo. Tout le monde m'appelle le guépard. Car je suis rapide. Tu permets, je me sers, hein. Je te prends 2-3 bières, quelques munitions. Voilà. Oh! Mais monsieur! Monsieur me donne un petit costume! Oh monsieur! Oh oui! Augmente les chances d'infliger un coup critique. Oh oui, c'est bon ça. Oh, je suis bien là. Je suis très, très, très beau gosse. Oh oui! Oh, j'ai la petite chemise qui va. Oh, ça régale. Oh, c'est la régalade. Oh, je suis magnifique. Je suis juste superbe, en fait. Y'a rien à changer. Je suis énorme. Énorme et sec. Personne t'appelle comme ça. Comment t'es venu? Ok. Ah ouais, je suis obligé de prendre sa caisse? Ok. Tu veux vraiment que je les ai pas vus? Ferme-la si tu veux pas bouffer du plomb. Ah, ils sont nombreux. C'est géré ou pas? C'est géré. Wouh! Lame, niveau 4. Plus 2% de dégâts par seconde effectif. Bah voilà. On est bien là. Excuse-moi, mais j'ai des trucs à ramasser. Oh, je veux bien cette tenue. Hein. Ok, athlétisme. Ça me va. Très bien. Je les ai découpés. Peut-être effectivement que je monte un peu le niveau de difficulté maintenant parce que
J'avoue que là, c'est pas non plus extrêmement difficile. Non, ça... Mais qu'est-ce qui bug là? J'ai un truc à ramasser. Ah, merci. Il me semblait bien. Et il y avait un mec là-bas aussi. Hop. Oh là là. C'est pas une figure facile à faire, ça, dis donc. Attention, ça peut éventuellement donner des mal dans le dos. Hein. Ah, petite prière peut-être. Je comprends. Bon, allez. Maintenant qu'on a découpé tout le monde, on se casse. C'est ça ta caisse? On peut prendre n'importe quelle caisse. Utiliser la voiture de Wangbo, facultatif. C'est laquelle? C'est celle-là? Oh, c'est laquelle ta caisse, le bouffe? Ça, ta voiture? C'est quoi ta poubelle, putain? Ah, elle est là-bas. Non, 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 on prend pas cette caisse, c'est de la merde. C'est 100% de la merde. Tu vas être gentil et tu vas prendre cette voiture-là. Oh. Comment ça, on? J'ai réussi. Oula, t'es devenu noir par contre. Si j'avais pas été là, tu serais plus qu'une tache sur la moquette de la chambre. Tu feras gaffe, t'as fait le chemin inverse de Michael Jackson. C'est de la précision, les amis. C'est que de la précision. Voilà, on roule un peu sur les corps. Voilà, et on a raté la précision. Allez, let's go. Voiture couleur Iron Man, on est bien. Salut V, j'ai une quartz à te montrer. Mais c'est de la merde, arrête de me vendre tes bagnoles de chiasse là. Sors-moi des gros trucs. Personne ne veut ces voitures. Hey, non, 별명 같은 거 없어? Non. Non, je n'ai pas de surnom. Personne te prendra au sérieux, mais... Y'a pas besoin, gros. Quand je découpe tout le monde au katana, tout le monde me prend au sérieux. Y'a aucune vanne. C'est bon, on est arrivé. Descends. Allez, casse-toi. Bah, tu sais pas. C'est pas mon problème. Descends. Casse-toi de ma bagnole. Allez. Merci. Je sais pas ce qu'ils vont. Bienvenue dans la réalité. Oula. Impeccable V. Mais de rien. Wangbo dit qu'on devrait t'appeler le lion déchaîné. Ouais, je comprends. Tu dois être content. Je boucle le contrat et je t'envoie les crédits. Bah c'est parfait. Vu que tout le monde est content, on est bien. On va pouvoir se sortir d'ici. Combien de temps il me reste à peu près? Ah, il me reste une vingtaine de minutes de live. Allez, on peut faire une dernière quête peut-être. On peut faire une dernière quête. On peut faire une dernière quête. On peut faire... Putain, il y a toujours ça. Attends, quelqu'un mort, blablabla. C'est peut-être pas ambitieux. Attendre que la caisse soit réparée. Alors là, ça veut dire que si j'y vais, je l'ai direct. Il suffisait d'attendre que les jours passent, en fait. C'est ça le truc? C'est pour t'apprendre que les voitures se réparent avec le temps, c'est ça? Je pense pas, non? Je pense pas, hein? Je vais pas dire de conneries, mais... Oh! Pas mal! Fusil à pompe cinétique? Interesting. Hop là. Allez. Celui-là est mieux, on va le prendre. Action impossible, mais je t'ai rien demandé. Très très bon ça. En plus un petit flingue rose, c'est parfait pour avoir l'air sérieux. Non. Non mais vraiment, vraiment, non, mais non. Le style, style overstat. Là on a quoi? Oh, une petite robe. Je peux porter une petite robe. Oh, ça nous met bien ça. Oh, ça nous met grave bien. Oh ouais. Oh, j'ai un flow. Oh, j'ai un très très bon flow ici. Oh oui. Oh oui, oh oui, ça régale. Oh, c'est la régalade. Oh, c'est très très bon ça. Oh, du don. Oh, le petit dos. Oh, on est bien. On est très très bien. Ma caisse, elle est à ma planque en fait, normalement. Où est ma planque? J'en sais rien. Où est ma putain de planque, bordel? Ah.
Marché de Kabuki. Merde, où est ma planque? Je crois que c'est par là. Je crois que c'est ici. Chez vous. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Bah allons-y hein. Waouh, c'est pas du tout ce que je voulais faire. On va la refaire. Excusez-moi. Allez, let's go. On va peut-être se mettre un peu plus près. Voilà, on est bien là. Là, on est bien. Il va falloir tourner. À un moment donné, il va falloir tourner. Je sais pas quand, mais il va falloir tourner. C'était là, par exemple. Bon, ça va, on ira plus loin, c'est ok. Wow ! Il y a des gens à découper. Ça dégage. Y'en a d'autres ? Alors toi ? Ça dégage. Next. Bon, t'étais déjà mort. On va pas se faire emmerder, non ? Putain, en vrai, maintenant que j'ai full monté mon katana, j'ai quand même l'impression que c'est très fort. Hein. Je one-shot les mecs, ça me prend zéro endurance. J'ai quand même l'impression que c'est très très fort. On verra contre certains boss. J'avoue que en fait au début je pouvais pas trop jouer au katana. Parce que le premier boss, il s'en battait un peu les couilles de quand je lui découpais le fion quoi. Mais là, et en plus tu sais je pouvais pas encore ralentir le temps et tout tu vois. Là par contre une fois que t'améliores un peu, oh là là c'est monstrueux hein. C'est bon j'ai tout pris. J'ai rien raté là, il y avait pas des... Ah si. Il y a un truc à prendre là. Ah bah non, il est cassé. Ah bah elle a cassé, hein. Ah bah oui, bah... Allez, au revoir. Bon bah y'a rien d'autre à récupérer, fin du buzz. Ah, excusez-moi. Peut-être ma voiture qui vous gêne. Ma voiture super classe avec des néons autour des vitres. C'est ça qui vous gêne, je comprends. Je vais me casser, vous inquiétez pas. Je suis sur le coup. Ah putain, c'était là, merde. Raté. On va la refaire. Voilà, c'est bon. Let's go. Voilà, let's go. C'est géré. Je suis un pilote professionnel, en fait. Oh, shit. Si vous entreprenez des activités illégales comme voler ou agresser les civils... Le NCPD mettra à tête votre tête à prix. La police enverra une patrouille et l'ampleur de sa réaction sera proportionnelle au montant de la prime. Pour semer la police, éloignez-vous de la scène du crime. Faites profil bas pendant quelques temps. J'ai fait une dinguerie là. Oh, c'est terrible ce que je viens de faire. Ouais, je m'en vais. T'inquiète, tranquille. Pourquoi tu t'énerves? Allez, salut. Oh, faut que je me casse vite et loin là. Vite et loin, je vous dis. C'est tout? C'est fini, là? Oh bah ça va, c'était tranquille. Ah, ils sont pas très exigeants, les flics à Night City. Tu m'étonnes qu'il y ait du crime. Ah ouais, ça va, c'est tranquille. Les étoiles sont sympathiques, ici. Qu'est-ce qui se passe? Je suis trop lourd encore, c'est ça? Ah non. Non, c'est bon, ok. Attendez, le garage, c'est en face. Ah, c'est là. C'était là, le garage. Normalement, la voiture, elle doit être là. On va voir si elle est réparée, même si j'y crois pas vraiment, ouais. Elle est... Alors, non seulement elle est pas réparée, mais en plus, elle a disparu. Donc là, j'ai bien le seum. Là, je suis dégoûté, quoi. Ah, du coup, j'ai aucune idée d'où se trouve ma caisse, quoi. C'est un peu ça, le bail.
Je retrouverai jamais ma voiture. C'est ça le bail. Je retrouverai pas ma caisse. Je suis baisé. Bah ouais. Oh ! Ah, c'est ça que je peux acheter ? Bah non. Bon bah les couilles. Ah, je suis un peu déçu quand même, hein. Je vais pas vous cacher que j'ai le seum là. Faut faire les quêtes avec Delamain pour la récup. Ouais, ok, je me doutais que c'était ça, mais j'étais pas sûr. Je trouvais bizarre qu'une quête te déclenche une autre quête et soit pas juste la suite de la première. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis pas très clair, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, j'aurais vu ça comme la suite de la quête Human Nature et non pas que ça devienne mise au point, vous voyez. Mais c'est pas grave, on va faire la quête mise au point et on verra où est-ce que ça mène. De toute façon, le danger est élevé, donc ça doit être jouable, il n'y a pas de souci. Et je pense qu'en vrai, on fera sûrement un petit live demain. Et demain, on fera de la quête principale. Et là, on avancera vraiment sur les vrais bails. Je vais garder toutes les quêtes, tu vois, danger très élevé pour plus tard. Je vais faire les quêtes danger moyen là. Après, effectivement, en normal, j'ai l'impression que le jeu est assez simple. Donc, voilà, je vais vous faire plaisir. Pour les prochains streams, on passe en difficile. Voilà, on passe en difficile, on va voir comment on s'en sort. Y a pas de souci. On passe en difficile. Let's go. Sur ce, c'est la fin de ce live. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie, les amis. Je vous ai dit, prochain live demain. À quelle heure? Je sais pas trop. Vérifiez Twitter, mais à vue de nez, ça va être quelque chose comme... je pense 16h. Je pense que ça va être vers 16h. Et on va directement partir sur de la quête principale. Et on fera que ça, je pense. Et on verra à quel point notre puissance au katana est respectée dans la ville de Night City. Voilà. Salut à toutes et à tous et je vous souhaite une très très bonne soirée sur Twitch ou ailleurs.